Mercredi 18 juillet 2018, bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous, vous capable de présenter tout élément d'information. Déjà, nous souhaitons passer un très bon mercredi sur la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui a fait actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, a commencé la consultation sur le choix pour le prochain premier ministre du pays. Chef l'État parlé mardi 17 juillet avec le président de Brèche dans le Parlement sur le choix nouveau premier ministre. Même jour, mardi, le président Jovenel Moïse rencontré l'autorité de l'Église catholique sur la conjoncture politique. Personnalité qui doit venir prochain premier ministre pays a doit avoir capacité pour rassembler et puis affronter réalité pays a ses recommandations ancien premier ministre Evans Paul. Organisation PEPA Caprité OPL a proposé pour mettre en place un gouvernement ouvert qui capable de résoudre problème population dans cadre consultation président République la Jovenel Moïse commence à faire sous choix premier ministre pays. Ces points ça avec l'autre n'a porté pour dans journal la matin rete pas déplacé n'a tourner pendant la petite pause vous donner tout à l'heure. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour développement information. Je nous dis que le grand titre président de la République, Jovenel Moïse, rencontré mardi 17 juillet dans le Palais national, deux branches, président deux branches dans le Parlement, dans le cadre de consultation sur le choix nouveau premier ministre PIA, Jean-Maman Loi Mandessa. Président de la République, là, l'Ichita, avec le président deux branches dans le Parlement, à savoir sénateur Joseph Lambert avec député et chez président député et dans le cadre de consultation qui a fait pour capable choisir un premier ministre. Même je m'a dit président République là Techita ensemble avec autorité dans l'église catholique pour capable discuter sur conjoncture pays a toujours dans cadre pour parler qui engagé avec différents secteurs dans vie nationale là des maïsa les viser pour capable identifier principal problème dans cadre conjoncture pays a et pour capable faciliter action l'état qui capable joindre une solution dans crise là. Même je m'a dit tout président République là Techita parler te recevoir ambassadeur pays la France là qui accrédité par bon ici Elisabeth Betodeleg lui-même qui rivé dans ferme d'Ali mais rencontre ça te chita surtout dans cadre coopération entre deux pays Haïti et pays la France. Ce choix un nouveau premier ministre qui a vu prendre prématurément Evans Paul rete quoi moun ki ta qui est capable de remplacer Dr. Jacques Lafontaine en poste là, doit avoir capacité pour lui capable de rassembler et puis affronter toute réalité pays. Ancien premier ministre Evans Paul continue pour le capable de conseiller parlementaire pour avoir moins d'influence sur la décision, prendre compte de la réalité qui est dans la population en fonction du choix mouna qui prend poste. Pour le ministre. Il a participé à l'émission mise au point avec Serge Lindor en nous suivant. On a été en droit d'être président, il a été en droit en face président. Il faut que ce soit monde qui a connecté avec la réalité, il faut que ce soit monde qui a un dépassement, il faut que ce soit monde qui n'a pas peur d'affronter la réalité, il faut que ce soit monde qui est capable de provoquer des débats dans le conseil de gouvernement, dans le conseil des ministres, parce que très souvent, les ministres perdent opinion. Yo. Bon, les gens qui ont pu parler dans le pays, c'est les gens qui sont ministres. Parce que les gens ministres, ils ne peuvent pas opinion pour le président fâché, pour le premier ministre fâché. Il y a des fois, ils ne peuvent pas donner, parce que le chef la catégorie opinion, il ne peut pas. Ah, chef, on ménage pour cela. Je pense que il y a des gens qui sont ministres, il y a des gens qui sont premiers ministres, il ne faut pas peut-être pour un job. Il faut le considérer comme un missionnaire. Et il faut que ce monde ait en pile courage, le courage pour nous affronter la réalité, le courage pour nous discuter de vérité. Par exemple, question prix et gaz, là, j'en fais l'autre jour. Moi, je crois que la grande majorité des ministres n'est pas d'accord. Mais peut-être que tout est rallié à la décision dans le Conseil des ministres sans faire débat. Soutamment de 1 minute de ça qui est passé dans le Conseil des ministres, quand tu prends une décision, ou capable de
pas grand pile ministre qui débat en position contraire, mais si vous parlez avec eux en privé, vous avez dit que vous n'êtes pas bon. Je pense que le courage de décider, son monde pas gagné ou pas prendre job, ni premier ministre, ni président, ni ministre. Fort parlement a transcendé pour parlementaire moins influencer décision yo non logique de consolidation personnelle. Moi-même, moi connais situation difficile parlementaire parce que les moun nan parlementaire jodi a faut l'occuper de Fontaine, de voye ti moun l'école, pression sous lui à cause de pression ça yo l'a fait pression toi droite à gauche pour lui joindre de quoi pour lui répondre à exigence moun ki voye nan parlement a fait. Il y a qui dit c'est bagaille personnel. Bon, il y a des bagaille personnel tout, mais jodi a prend responsabilité pour venir parlementaire, pour venir magistrat, son coquin responsabilité. Sou pa ka met garçon sou peur vivre pression, eh bien ou pas prendre job ça. Maintenant, comment faire face à situation ça, parce que justement l'op fait politique c'est pour faire face à des problèmes de société. Faut parlement arriver ba tête li une meilleure image dans société a. Et meilleure image ça l'a existé en fonction de comment yo choisi moun qui pour aller dans pouvoir, parce que très souvent président obligé consulter yo, yo influencer des choix qui kon chita sur simple relation personnelle et yo kon négliger le côté notable. Ça moi les notables là ou besoin moun qui gen notoriété. Faut l'on moun ministre l'el parle, li gon passé, li gon écho, li gen une certaine influence dans société a qui ka fait le poton bagay comme image. Nous besoin un gouvernement d'image et c'est très important pour que yo pas choisi moun parce que seulement li gon relation proximité avec moun qui gen pouvoir mettre le dans poste là, mais pour gen capacité et bénéficier dont c'est un respect et dans pays il y a pas grand monde qui a fait unanimité, mais il y a des monde qui capable porter plus par rapport à ça y représenter dans société. N'a pas pour suivre qu'information responsable organisation PEPA Capilité OPL mandé président République là pour les capable nommer plus vite possible un nouveau gouvernement. À nous suivre à l'occasion de interpellation qui transformé en remise de démission de premier ministre et vide qui créé, nous pensons à une sortie de crise en deux temps. Dans le premier temps, c'est pour donc combler vide là. Donc, pour combler vide là, un chef de l'État doit prendre les dispositions en concertation avec différentes forces politiques et forces sociales pour mettre un gouvernement. Un gouvernement qui est capable de faire consensus, mais un gouvernement de monde, femmes, garçons, qui est capable assurer responsabilité que vous gagnez jour et jour pour garantir stabilité dans le pays, pour bailler l'espoir que demain à meilleur, qui gagne une même direction, une même ligne, savoir comme feuille de route. Mettez-vous au travail en essayant par tous les moyens de réduire le train de vie de l'État. Le gouvernement, ça doit monter sous la base de une vision, un programme qui visait à 1. Garantie stabilité, eh bien, non, fait quelques réformes dans l'État et des réformes qui, à terme, doivent mener nous à un autre mode de gouvernance. Une gouvernance qui n'est pas personnalisée, qui est fixée sur un monde. Une gouvernance qui, c'est une gouvernance qui chita sur rendre compte. Une fois qu'on a une responsabilité, on a le devoir de rendre compte. Un gouvernement qui chita, premièrement et avant tout, sur respect de la loi. C'est d'abord responsable et autorité qui gagne un devoir pour faire appliquer la loi, mais pour respecter la loi. Donc, un gouvernement qui compte impunité, un gouvernement qui travaille contre impunité. La corruption, c'est une gangrène, c'est un danger. Et tant que l'on ne combat pas, la conduit nous en une situation côté que ressources type tout petit. L'État a gagné, eh bien, il passe à l'homme quelques grains de monde. Et puis, qu'on y là, nous pas joindre suffisamment pour nous capables de répondre à besoins fondamentaux en santé, en éducation, en logement, c'est-à-dire une façon pour améliorer les conditions de la vie.
Nous prenons connu dans le Parlement haïtien sous le Port-au-Prince, puisque il y a un député circonscription Gagavla qui est un député interpellateur, Jean-Marcel Luméran, qui est invité président de la République, Jovenel Moïse, pour être capable de prendre toutes dispositions nécessaires pour choisir un premier ministre, Jean-Maman Loi Pays Amandela. Député Luméran, conseiller chef l'État, Chita Palé, à tout secteur dans la vie nationale, là, dans l'idée pour mettre en place un gouvernement d'ouverture. En nous serions extraits. Le fait est certain que Premier ministre Jacques Lafontaine, c'est du passé. Comme c'est du passé, il revient maintenant au président de la République que Constitution baille autorité, baille pouvoir pour nommer Premier ministre. Il vient pour consulter seulement les deux présidents des deux assemblées parlementaires. Président Joseph Lambert du Sénat, président Gary Boudou, consultation pour dire mais moun li gagnent l'itakabab. Ça c'est mission pas président. Nous autres comme députés, nous entendons déjà parmi les 16, nous entendons que en aucun cas nous pas pral participer non discussion dans le processus qui a conduit à la formation du prochain gouvernement. Nous sommes des députés issus de différents partis. Nous étions à parti côté de Sotillon. Dans le cadre d'un gouvernement élargi, un gouvernement d'ouverture, c'est parti qui nous représente. Nous voulons collaborer avec le président. Nous voulons intégrer, mais nous autres, nous baillons tête, nous, mission pour nous prendre recul par rapport à fait. Partie du prochain gouvernement. Sous-bopal, député Kinskofla, Alfredo Antoine, que le président de la République, Jovenel Moïse, doit rencontrer tout secteur dans la classe politique pour mettre sous pied un gouvernement d'ouverture qui prend en charge revendication population. Parlementaire a profité de rappeler collègue Lio, où Lio s'est contrôlé l'action gouvernement. Annonce de l'extrait. Constitution a dit président capable de consulter deux présidents chamio, mais c'est là que il n'y a pas une majorité parce que pas au niveau parlement, pas un parti vraiment qui majoritaire. La figure, ça, oui. Donc si vous pas un parti qui majoritaire, vous obligé à consulter les deux présidents des deux chambres pour autour de nom pour dire que à tel monde est-ce que il y a tel nom que m'ta aimer pour ouais au niveau configuration politique parlement si tel nom ça a bien recevoir est-ce qu'elle va le passer. Moi connais que rôle pas comme législateur mais là pour me contrôler l'action gouvernementale et moi pas là pour que m'a proposé de monde qui pourrait aller comme ministre et même si c'était Kid qui était majoritaire ou qui était au pouvoir donc qui nous t'apprend jouer rôle nous comme législateur. Voyez donc même pour que président et si on appelle c'est peut-être que on mon président de la République là pour que lui fait un gouvernement qui reflétait un gouvernement d'ouverture pour ouvrir la main par la classe politique là pas aucun monde qui est capable de diriger pas aucun pour aucun président qui a prétendu qu'il a dirigé pays ça pour contrer avec parti politique ou bien avec petit groupe zamil et votre serviteur, député Alfredo Antoine de Kinskofla, m'a prêt pour me dénoncer, quel que soit collègue du groupe majoritaire qui connaît le bras imposé de ministre avec dans le prochain gouvernement. Donc que le président ait toute l'attitude pour que lui fait pour monsieur au pensé pays. Dans le cadre d'une conférence spéciale dans le local du ministère de la Communication, hier mardi 17 juillet 2018, le ministre Kilti à la Communication démissionnaire, Joseph Guiller-Sius Delva, annoncé président de la République, Jovenel Moïse, a lancé consultation avec différents secteurs concernés pour capable choisir un premier ministre pour remplacer Jacques Guy Lafontaine. Puis loin, ministre Kilti à communication démissionnaire a précisé, gouvernement démissionnaire a prêté en place jusqu'à ce que y ait un autre gouvernement qui remplace l'homme. L'économique Rachel Sefort à Fresnel Toussaint annonce un extrait de la déclaration. Nous là jusqu'à ce que l'autre gouvernement qui est placé. Nous connaissons que le président déjà. Et lancer consultation, lancer pour parler avec différentes entités qui concernaient, y compris le Parlement, mais nous comptons
rencontre qu'il fait déjà avec l'autre secteur de la société civile, avec partis politiques, communauté internationale, entrepreneurs, monde dans le secteur privé. Donc, je pense que ça qui passe est regrettable, est extrêmement grave, mais je pense que c'est quitter pour nous quitter le derrière nous, pour nous capables d'avancer ensemble. Sur de nouvelles bases, et je pense que c'est dans l'esprit ça que le président y est, et même le gouvernement ça qui est démissionnaire là, et c'est dans l'esprit ça que y est. Je ne regrette pas que je fais partie de l'équipe là, dans le sens que nous ne pouvons pas assister à un constat d'échec. Nous avons même noté ça. Il ne s'agit pas de constat d'échec, contrairement à ça de mon abdi. Ok? Et le bagage qui fait dans le pays, le président de la République l'a venu avec une stratégie. Il y a des gens qui sont capables de refuser ou elle, refuser d'accepter, mais qui baillent des résultats, malgré pas de moyens. Et si tu as des moyens, tu es capable d'imaginer ce que tu as fait déjà. Et le président, certainement, a été mobilisé dans le sens pour le délivrer pour la population. Moi-même, je pense que j'aime dire déjà, je m'écris dans le tweet, je me dis que Haïti, le peuple haïtien, il a une chance. Le voter, Jovenel Moïse, c'est une bonne chance qu'il prend. Mais la chance, il faut le préserver. Il faut le préserver, la chance. Parce que pas tout le temps la bien chance. Je suis très sérieux dans ce que je dis là. Et la population a besoin de conserver la chance qu'il y a avec Jovenel Moïse, qui est vraiment déterminé, qui est capable de porter en pile pour le pays d'Haïti. Je dois même comprendre ça. Mais nous souhaitons que tout le monde soit marcher dans la même vision par là. Parce que le président, lui-même, il va dans le bif. Il dit ça. Il n'est pas venu dans le bif avec le monde. Il est là pour travailler avec tout le secteur. Et il va éprouver ça. Et donc, je souhaite que tout le monde, tout le secteur dans le pays, soit capable de mettre ensemble avec elle pour que nous délivrer pour le peuple haïtien. Sénateur département SIDES, Joseph Lambert, qui est au président Sénat République, là, voulait jeter déclaration sénateur Rika Pierre qui t'a acquisé sur un dossier détournement l'argent l'État. Parlementaire qui t'a expliqué, fait connaître, c'est dans la conférence en président en date 5 mars passé qui t'a décidé que le président Sénat ait une résidence officielle, même gens avec le président pays et puis le premier ministre. Joseph Lambert dit que c'est dans ce sens-là que roi t'a décidé de prendre un fonds dans le budget Sénat République qui évalué à plus de 7 millions de gourdes pour enfermer un caille pour le président Sénat. En nous suivant extrait la déclaration de Namiko Eliezer Kolo à Kouezoubich. Le Sénat a gagné dans les jours qui viennent pour lui demander au directeur général de la police à compte. Le directeur général de la police, venez expliquer la nation par devant le Sénat de la République, par devant le grand corps, pour lui dire ce qui s'est passé exactement et pourquoi tant de dégâts ont été enregistrés depuis quelque temps. Gagnés ont tentative que je qualifierais de malsaine, hors contexte, antidémocratique. Pour attaquer à l'institution parlementaire et plus particulièrement le Sénat de la République. Nous avons toute campagne qui a orchestré contre le Sénat à travers la presse, à travers, plus particulièrement à travers les réseaux sociaux, moins à travers la presse. Nous avons des monde sous couvert anonymat. Cap dit ces salopards au Sénat de la République avec un irrespect total d'abord pour les élus du peuple et en même temps pour l'institution parlementaire, plus particulièrement le Sénat de la République. Cap dit que nous touchons 168 000 dollars américains par mois. Par contre, côté Mounzabar avec chiffre ça et qui côté le fabriquer chiffre ça. Tout compte fait. Je dis à nous t'évaluer moi-même sous ma présidence. Fait une mise en garde à toute institution, à tout monde, à tout groupe politique, de quelque nature qu'il puisse être, à quelque camp politique qu'il puisse appartenir, pour nous dire et que le Sénat a prêté un dernier rempart pour la démocratie dans ce pays. Sénat qui gagnait un ensemble d'élus légitimes et constitutionnels là-dedans,
nous dit que même nos amis, certains amis de l'intérieur, nos détracteurs, plus particulièrement le sénateur Ricard Pierre, pour nous dire tout, et que nous regrettons infiniment que les ravalés institutions que l'appartenu à niveau ça. S'il sentit inconfortable dans l'institution ça, il était qu'à faire un geste qui est plus intéressant toujours pour montrer nation et que lui-même il désapprouvait totalement le Sénat République là, il a purement et simplement démissionné comme sénateur de la République. Je ne pas demander ça, je ne pas pousser le faire ça, mais s'il t'a fait le tout, je crois que c'est un geste héroïque et l'histoire retiendra que Ricard a fait geste ça à un moment de la durée. Sous-Bopal, sénateur Sides Ricard Pierre, vous avez jeté déclaration président Sénat républicain Joseph Lambert comme quoi dirait l'État prend un Delco Sénat. Parlement a expliqué que c'est Kadelko qui a gagné pour 6 bureaux sénateurs, alors que dans le moment ça, il était question Sénat. Il a gagné priorité pour bureau, il était joué dans une, pas gagné un yen qui est à vol. Yon l'autre bord, sénateur Ricard Pierre dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision conférence qui a pris pour payer Kaya pour le président de Sénat République, là, Joseph Lambert. L'italien est confident, confident avec Moïse Zoubich. On nous suit. Sénateur Lambert déclaré, sénateur Ricard Pierre, te dit population hein, pour le descendre, vin bouler Sénat. Sénateur Lambert dit tout, sénateur Ricard Pierre Tado vin bail Sénat explication sous génératrice li détourné et puis devant dérobé pour Sénat. Et sénateur Lambert dans conférence li baye a tout li dit li ta bon si sénateur Ricard Pierre ta bay démission dans Sénat s'il pas senti la l'aise dans Sénat parce que dans le budget Sénat il pas prévoit aucun cob pour louer un kay pour président Sénat pour 8 millions de gourdes. M'a dit la presse président Sénat dans fin janvier, si je me souviens bien, tu as organisé une conférence de presse ici. Quand elle te dit, li pa wè pour qui ça a un paquet de paroles en pile qu'a fait pour une question d'Elko. Sénateur Ricard Pierre, c'est sénateur Sud-Est, c'était membre bureau Kester. Gagné 4 génératrices pour 6 bureaux départementaux qui en construction. Dans 6 bureaux, ça au Sud-Est gagné. Sénateur, le mandat a fini de retirer génératrice par Sud-Est là. Parce que c'est 4 sous 6. Ce n'est pas 6 bureaux, 6 génératrices, c'est 4 bureaux. 4 génératrices, 6 bureaux. Nous n'avons pas su de ça là. Et, tu n'as pas qu'à tolé, et c'est sénateur Lambert même qui est venu fermer tolé ça à partir de conférence de presse sale te faire. À ma grande surprise, hier matin, tu as dit sénateur a fait déclaration ça. Et, moi, tu voulais dire l'opinion. Li piti pour dire un sénateur Kester qui t'a géré le budget Sénat, qui a géré des millions de gourdes. Li piti pour dire le volon génératrice. Li piti en pile pour dire le volon génératrice qui cavonne environ 400 000 gourdes. On a géré des milliards pour volon génératrice qui cavonne 400 000 gourdes. M'a dit chaque législature qui passe ici, Sénat toujours baille bureau sénateur ou génératrice et yo toujours quitté génératrice ça yo. Dans le bureau sénateur, le mandat est fini. Bah, comment, je dis à la parole génératrice qui pour un bureau départemental, vient tourner un génératrice qui volait, un génératrice qui détournait. Il est déjà 7h30, il arrive le moment pour nous capables de dire au babaye, mais avant de permettre que nous rappelions un grand point qui dominait l'actualité. Président République, Jovenel Moïse a commencé consultation sur le choix prochain premier ministre en pays. Chef d'État, Chita parlé mardi 17 juillet avec président de branches dans le Parlement sur le choix prochain premier ministre en pays. Même jour, président Moïse a rencontré autorité de l'Église catholique sur la conjoncture politique dans le cadre de la série de rencontres qui a fait avec différents secteurs dans la vie nationale.
Personnalité qui doit venir prochain premier ministre payant pour remplacer Jacques-Guy Lafontaine doit avoir capacité pour le rassembler et puis affronter la réalité pays d'Haïti. Ces recommandations ça yo ancien premier ministre Evans Paul fait dans quatre participations là dans émission mise au point. Organisation PEP Caplité OPL a proposé pour mettre en place un gouvernement d'ouverture qui est capable de résoudre les problèmes de la population dans le cadre de la série de consultations. Le président républicain Jovenel Moïse a commencé à faire pour choisir un nouveau premier ministre pour remplacer Jacques-Guy Lafontaine.